Re-coucou les filles. Donc je vous ai fait une vidéo tout à l'heure pour vous montrer la lampe de chez Victoria Vin que je vous montre juste ici, qui est trop belle. Donc qui passera à l'étape test je pense demain. Mais voilà, déjà je voulais faire une présentation de tout ce que j'ai acheté chez Framnice. Donc voilà, ça c'était pour la lampe. J'ai acheté aussi ceci. Alors c'est Victoria Vin qui l'a mis en place. Ça s'appelle le Starter Kit de Gel Polish System UV LED. Donc en fait, normalement, c'est un kit pour vraiment faire le semi-permanent de A à Z. Donc on va l'ouvrir ensemble. Le semi-permanent, c'est pas ce que je fais le plus, mais ce qui est bien, c'est que la gamme de Victoria Vin au niveau des semis, bien sûr, peut passer sur du gel et je m'en sers régulièrement pour le gel. La gamme Gel Polish System, donc ce qui est la gamme noire, je vous avais présenté déjà les deux gammes parce que vous avez la crémie et vous avez la noire. Voilà, franchement je les adore, je m'en passerai pour rien au monde, je fais que les acheter, j'essaye d'acheter toutes les couleurs, c'est dur mais voilà, elles sont vraiment vraiment trop bien. En plus pour le prix c'est juste imbattable parce qu'à moins de 10 euros, un vernis semi-permanent de qualité, c'est vraiment quelque chose de vraiment formidable. Donc on va ouvrir le petit kit. Donc voilà, pour vous montrer, hop, je vais rallumer la lumière comme ça vous verrez mieux. Donc déjà on va l'ouvrir. Oula, j'ai tout basculé. Mais en tout cas, c'est super joli. Mais vraiment trop joli. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce petit kit? Je vous montre un petit peu de plus près. Voilà, comme ceci. Vous avez plein de choses. En tout cas, franchement, au niveau de la boîte, au niveau de comment c'est présenté, c'est vraiment trop beau. Franchement, Victoria Vin se casse vraiment la tête. Ils font pas que des produits de qualité. Ils font aussi quand même des packagings qui sont juste fabuleux. Donc alors pour en fait ce petit starter kit, vous allez avoir plein de choses à l'intérieur. Donc la première chose pour sortir, ça va être le salon remover. Donc ça c'est pour enlever tout ce qui est semi-permanent. Donc vous avez un petit flacon qui est tout mignon de 60 ml. Voilà, je vous montre de plus près. Il est comme ceci. Donc bien sûr pour faire votre dépose. Ensuite nous avons quoi? Nous avons alors donc le petit flacon pareil de Nail Prep pour dégraisser en fait l'ongle naturel avant de commencer l'étape. Donc il y est comme ceci. Alors il y a aussi des marques qui le font en vernis. Là cette fois-ci c'est directement en bouteille et moi je trouve que c'est 10 fois mieux. Donc je l'ai déjà moi par contre en fait tout ce que je vous montre dans le starter kit je l'ai déjà en grand parce que je m'en sers régulièrement pour toutes mes poses en gel. Mais du coup je voulais essayer ça. Et voir ce que ça donnait parce que franchement, pour oui, une prothésiste, on est d'accord, elle va s'en servir. Mais même pour les filles qui sont en particulier, quoi, qui ne font pas tout ce qui est gel, etc. Mais qui ont envie de se faire plaisir et de se faire une petite manucure de qualité à la maison, c'est juste fabuleux. Du coup, vous avez vraiment l'ensemble avec tout. Et franchement, voilà, c'est trop bien. Donc au moins, vous avez une belle manucure et vous avez tout dedans. Vous prenez juste votre starter kit, vous partez en voyage, allez, hop, hop, je vais en Espagne, à Ibiza, n'importe où. Et bien, vous avez tout sur place. Vous n'avez même pas besoin d'aller faire une manucure, quoi. Vous pouvez le faire toute seule. Donc, c'est plutôt top. Alors, donc, le Night Prep. Et ensuite, bien sûr, je suppose que c'est le thinner. Alors, hop, je vais le sortir. Donc, le Night Prep qui est jaune, comme ceci. Le thinner qui est bleu, comme ceci. Donc, franchement, c'est trop bien fait. Donc, bien sûr, quand vous avez besoin de faire une pause, il va vous falloir un gel de base. Donc, le Sokoff, le gel police, comme ceci. Donc, vous mettez d'abord, bien sûr, vous faites votre préparation de l'ongle, etc. Vous mettez votre salon Night Prep. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo de démonstration pour vous montrer vraiment comment on fait pour appliquer du semi-permanent. Donc, le gel de base. Et ensuite... par contre ce qui est bien c'est qu'en fait à l'intérieur du kit ils vous mettent le gel polish tape bond. Alors à quoi ça sert ce gel polish? C'est vraiment trop bien parce que ça vous évite de dépolir en fait l'ongle naturel. Vous mettez ça directement sur l'ongle naturel. Bon bien sûr il faut mettre la forme si vous voulez mettre en forme votre ongle, mais pas besoin de dépolir l'ongle. Vous mettez ceci bien sûr après le night prep. Vous laissez par contre bien sécher et ensuite vous mettez votre gel de base. Donc du coup vous gagnez du temps et c'est vraiment pour toutes les filles, même celles qui n'y connaissent absolument pas en tout ce qui est manucure. Donc le tape bond, la base, bien sûr vous avez aussi à l'intérieur le top, la finition comme ceci à faire catalyser.
Donc par contre, je ne sais pas si vous le savez, pour tout ce qui est manucure au niveau du semi-permanent, c'est 30 secondes. Donc 30 secondes la base, alors en LED ou en UV bien sûr. 30 secondes pour la LED, donc pareil, vous pouvez même vous acheter cette petite lampe du coup qui va parfaitement. Alors même en voyage, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez votre kit, rien que ça ou ça, ça prend pas de place et vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos ondes. Donc ensuite, nous avons le top que je vous ai dit. C'est un top par contre, celui-ci, qui se dégraisse. Donc il faudra l'essuyer, la couche de dispersion avec le cleaner à la fin. Ensuite, on a la couleur 0,50. Alors je sais pas à quoi ça ressemble cette couleur. Oh, un beau rouge, hein, c'est un rouge Ferrari quoi. C'est vraiment le rouge que tout le monde se sert, que tout le monde va utiliser. Donc c'est un basique, c'est celui qu'il faut avoir. Que ce soit en été, en hiver, un rouge ça ne démode jamais. Et même avec les années ça ne démodera pas. Donc ils vous fournissent quand même deux couleurs, donc franchement c'est plutôt sympa. Ils se sont pas limités à mettre une couleur basique, ils ont mis un rouge et celui-ci c'est la teinte numéro 061. Alors par contre au niveau des teintes, franchement, du packaging du moins, ils vous mettent le numéro, ils vous mettent la couleur, c'est vraiment super sympa. Celui-ci donc c'est le So Fancy et l'autre c'était le Royal Red. Oh, il est juste magnifique, c'est un genre de corail, je sais pas si vous voyez, je vous ferai après... des petites vidéos de test pour vous montrer pour le semi-permanent des deux couleurs. Enfin, il est trop trop beau. Alors celui-ci, je sens que ça va être ma prochaine pose sur les ongles. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'avantage avec ces semi-permanents, c'est que vous pouvez vous en servir ou en semi-permanent ou alors sur le gel. Donc c'est très bien, admettons, vous pouvez vous faire vos ongles en gel et après en bas, au niveau des pieds, mettre que du semi. Donc qui tient vraiment très très bien. Alors par contre, pour le semi-permanent, au niveau de la tenue, chez Victoria Vin, vous pouvez tenir largement 3 semaines, mais je dis bien largement. Donc voilà, ça c'est pour les couleurs. Donc ça c'est le petit bloc Victoria Vin, le bloc polissoir. Alors par contre c'est rigolo parce qu'il n'a pas du tout les mêmes matières que l'autre, il a l'air vraiment, vraiment tout doux, vraiment super agréable. Ils vont mettre même les cotons, histoire. Comme je vous ai dit, vous partez en vacances, vous avez tout, hein, vous avez besoin de rien. Même les cotons, vous les avez. Vous avez aussi les petits bâtonnets en bois au cas où vous dépassez, etc. Ou ne serait-ce que pour repousser vos cuticules. Vous avez tout à l'intérieur, c'est juste fabuleux. Et pour parfaire le tout, bah bien sûr, il faut une lime. Donc vous avez la lime Victoria Vin qui est incluse. Et là, le must du must. Alors ça, c'est juste fabuleux. Ah, il y a une autre lime en dessous. Alors vous voyez, j'avais même pas vu. Une toute petite lime. Alors celle-ci, elle est vraiment pratique. Vous pouvez la laisser dans votre sac à main, vous pouvez vous faire tout le temps vos ongles. Alors là, nous avons... comment on peut appeler ça? Des petits clips, en gros, pour faire dissoudre votre semi-permanent. Donc vous mettez du remover sur votre petit coton et vous mettez autour de l'ongle. Après, vous avez la possibilité aussi de le faire avec du papier d'aluminium. Moi, j'ai acheté ceux de chez Victoria Vin. Bon, je vous le montre puisque du coup, c'est la même vidéo. C'est des petits foils, en fait, pour enlever tout ce qui est semi-permanent. Donc vous avez même le protocole de dépose au niveau du semi-permanent. Donc comme je vous disais, c'est vraiment adapté à toutes les filles. Les boîtes, j'adore. Franchement, j'ai l'impression d'acheter du maquillage. Donc les petits foils, ils sont comme ceci. Je vais vous les montrer. Vous avez à l'intérieur une petite compresse. Et vous mettez votre produit dedans. Vous emballez votre ongle à l'intérieur de ce papier d'aluminium. Et vous pouvez les clipser avec les petits clips. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez tout simplement utiliser le coton avec les clips. Voilà. Mais c'était pour vous montrer aussi à côté qu'il faisait plein de choses. Donc, celui-ci, le foil removal wrap. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, franchement, ils ont l'air très, très bien. Ben, vous savez quoi? On va l'ouvrir ensemble. Comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, parce que j'en avais acheté, on va voir si c'est différent. Alors, hop. Ça a l'air de se déclipser. Ah ouais, ça se déclipse. Mais c'est juste trop bien. En fait, vous pouvez carrément le régler à la taille de votre doigt. Bref, je les adore, ils sont trop mignons en plus. Non, c'est vraiment bien. Parce que moi, j'en ai des autres qui du coup ne se règlent absolument pas. Et ne sont pas pratiques parce que du coup il ne sert pas, c'est un système de pince mais il ne sert pas réellement en fait, donc du coup il ne reste pas très bien accroché.
Et là, il resserre très, très, très bien. Bah, franchement, je suis vraiment épatée parce que du coup, c'est vraiment des produits de qualité. Et là, du coup, ce petit starter kit, il me plaît énormément. Donc, vous avez carrément, pareil, le mode d'emploi à l'arrière pour pouvoir déposer votre semi-permanent. Donc, c'est vraiment un packaging qui est terrible et en plus de ça, qui est absolument complet. Donc, comme je vous ai dit, on a tout ça, le bloc, les limes, bref, la totale. J'ai pas regardé si derrière, vous aviez un mode d'emploi. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Par contre, le mode d'emploi, vous pouvez le retrouver directement sur le site de chez Framnice, donc.fr, où j'achète tous mes produits. Et vous pouvez également les retrouver sur leurs vidéos sur Internet et aussi sur leur site officiel. Mais voilà, pour celles qui veulent le mode d'emploi en français, je vous conseille d'aller chez Framnice sur le site Internet. Quand vous allez dans l'onglet Victoriavine, vous avez à l'intérieur le système pour pouvoir poser et déposer votre vernis. Donc voilà, ce petit starter kit est juste vraiment fabuleux. Je vous conseille vraiment de l'acheter si vous avez besoin d'un semi-permanent, si vous voulez partir en vacances, si vous voulez vous le faire toute seule. Vous êtes vraiment mais rempli à 100% pour pouvoir utiliser ce semi-permanent. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer le petit starter kit. Il va y avoir une autre vidéo par la suite pour vous montrer le reste de mes emplettes. Mais n'hésitez pas, vous pouvez aller chez Framnice. C'est le seul fournisseur en France, et pour ça, je le répète, c'est le seul fournisseur de chez Victoriavine en France. Vous y allez et ils sont vraiment très très bien. Alors n'hésitez pas les filles, si vous avez besoin de conseils, moi j'y vais régulièrement en fait dans leur magasin. Mais si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont vraiment mais adorables et derrière, voilà, vous aurez toutes les infos dont vous aurez besoin. Voilà. Je vous laisse regarder directement sur le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver bien plus facilement. Voilà, je vous fais des bisous et je vous ferai une autre vidéo de test, cette fois-ci du semi-permanent de chez Victoriavine. Bisous, ciao ciao.